Bonjour tout le monde, ici c'est Landron pour le tout premier épisode de mon guide pour bien débuter à Factorio. Alors, en fait c'est la deuxième édition de mon guide, la première j'avais commencé mais il s'est avéré qu'il y a eu une version qui est sortie, la version 0.9 alpha, qui a apporté vraiment beaucoup beaucoup de nouvelles choses, de nouvelles ressources, tout ça. Et donc du coup, enfin de nouveaux éléments importants, et donc du coup, j'ai dû refaire mon guide. Bon. Ça fait que 3 épisodes à supprimer et à refaire, mais bon, c'est un peu quand même embêtant. Donc, on va y retourner. Alors, je rappelle Factorio, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à regarder mon épisode de présentation qui sera dont le lien, pardon, sera dans la description de la vidéo. Au pire, vous apprendrez un petit peu au fur et à mesure de ce guide si vous ne voyez pas trop ce que c'est. Allez, on y va. Donc, on va jouer. On va démarrer une nouvelle partie. Sinon, il y a une campagne. Hein. C'est possible de jouer en campagne, sauf que elle n'est pas forcément très intéressante. Je vous conseille de la faire une fois que vous aurez fini de regarder ce guide. Juste pour voir à peu près comment ça marche. Alors, là, vous avez votre générateur de cartes pour les parties normales. Vous avez segmentation, tout ça, tous les différents composants. On peut augmenter leur taille, leur richesse. Donc on peut voir qu'il y aura en différents composants le fer, le cuivre, la pierre, le charbon, le pétrole, des bases ennemies et la base et la zone de base. Alors après vous avez la taille et la richesse. Donc on va en mettre normal par contre. Normal, on va peut-être monter un petit peu les. Alors pour 5 guides, donc on va essayer quand même de se laisser un petit peu une marge de progression. On va mettre en high. Et un petit peu plus de richesse. On va monter un petit peu. Par contre, on va laisser les bases ennemies normales. Et on va mettre que en mode peaceful, c'est-à-dire que les ennemis ne vont jamais m'attaquer. Parce qu'ils peuvent attaquer dans les bases si vous enlevez le mode peaceful. Donc on va laisser la largeur et la hauteur de carte vide. L'eau, on la laisse et puis on y va. Alors là, vous pourrez régénérer plusieurs fois la carte. Hein. Je vous conseille d'ailleurs. Alors, je vais vous expliquer, voilà, les petits tips. Une bonne carte, comment elle se compose? Alors, vous avez besoin d'eau, de charbon, de cuivre, de pierre, principalement. Vous avez besoin de ces trois-là. Et après, le bois, tout ça peut être utile. Mais c'est pas forcément le plus important. Alors, surtout que maintenant, il y a de nouvelles ressources. Donc, on peut voir ici du fer, ici du minerai de cuivre, on peut voir de l'eau, des arbres, ici de la pierre. Est-ce qu'il n'y a pas de charbon? Donc, du coup, je pense que je vais recharger la carte. Ah, il y a un petit bout, mais c'est rien du tout, ça c'est rien. Ça va durer 2 secondes. Ça va pas me servir à grand chose. Donc, pour ceux qui connaissent pas, vous avez vu, c'est assez moche. Ouais. C'est quand même assez moche. Là, on voit qu'il y a du pétrole. Crude oil. Mais c'est pas forcément. C'est pas forcément très utile sans charbon. Il m'aurait fallu plus de. Une plus grosse zone de charbon, en fait. Ok. Bon, on va recharger alors. Hein. Recommencer. Est-ce que ça recharge la carte? Ça, c'est la question qui tue. Oui, ça recharge la carte. Nickel. Alors, là, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux tout ça. Donc, on a du fer, on a du cuivre en grosse, grosse quantité. Vu que j'ai mis en riche. Beaucoup de charbon. Ça, c'est cool. De l'eau. Est-ce qu'on a de la pierre? Ça, c'est la question qui tue. Est-ce qu'on a de la pierre? Pas loin. On a 2 zones de charbon. C'est pas mal. On a de l'eau. On peut faire tab si on fait. Non, c'est pas tab, c'est M. M pour ouvrir la carte. Je cherche, on n'aurait pas un bout de. Non, il y a du charbon, c'est pas ce que je cherche. Ah, il y a du pétrole ici, un petit peu. Ok. Alors, un rapide topo. Je pense que c'est pas mal. Ici, c'est pas trop mal. C'est pas mauvais. Il n'y a pas beaucoup d'armes, mais bon. À la limite, on pourra s'en passer. Ah bah voilà, il y a de la pierre, j'aurais pas allé trop trop loin. Ah bah il y en a là même. Je suis un peu aveugle. Parfois. Ah bah les arbres sont là. Oh bah nickel. Non, non, c'est une très bonne zone là. Je pense qu'ici il y a moyen de faire quelque chose d'assez sympa. Alors je récapitule. Pour une bonne base, à deux bases. Wow, c'est beaucoup de bases dans ces phrases. Vous avez besoin d'eau, de charbon, de minerai de fer, de minerai de cuivre, de pierre. Pas beaucoup de pierre, il vous suffit juste de ça, ça va largement assez. Si possible de pétrole maintenant et si possible du bois. Voilà, ça c'est la base. Ici vous voyez c'est un bon emplacement. Ah oui, j'oubliais, de l'espace. C'est hyper important, il nous faut de l'espace. Donc, alors commençons. Donc Factorio est un jeu d'usinage. Le but va être de progresser dans votre extraction de minerais, dans votre fabrication d'items, pour atteindre une recherche finale.
parce que vous avez tout ça comme recherche, qui est le missile de défense. Missile de défense qui a besoin de toutes celles-là de recherche à faire. Chaque recherche nécessite des potions. Enfin, des fournitures de recherche qui sont faites sous forme de potions, c'est un peu bizarre. Chaque fourniture de recherche nécessite des composants. Chaque composant est plus ou moins long à crafter. Et surtout, coûte plus ou moins de ressources. Votre but va être de chercher l'optimisation totale de votre base, au maximum. Là, il y a blueprint. Ah oui, indisponible. Ouais, voilà. Non, c'était juste une réflexion de ma part. J'en étais où? Voilà. Donc, votre objectif va être de faire une base le plus autonome possible. Et jusqu'à atteindre un point où vous allez avoir un immense bunker, un truc de fou, qui se défendra tout seul contre les attaques. Et qui fabriquera vos potions et qui fera les recherches pour vous tout seul. Et quitte à attendre devant votre écran, à faire autre chose, à jouer sur votre smartphone, à faire autre chose. Alors on y va. Donc vous voyez, c'est que j'ennuie en plus. On va commencer. Tout d'abord dans notre inventaire, voilà, vous voyez ici les différentes zones de construction, là l'inventaire, ici votre barre d'action. Les différentes zones de construction en fait vous classent les différentes constructions possibles par catégorie. Militaire, assemblage, logistique et là, je sais pas trop ce que c'est, je crois que c'est recherche. Voilà, donc vous avez beaucoup d'items disponibles. Ceux qui ont un petit chiffre sont ceux qui sont disponibles dans une certaine quantité. Là, par exemple, on peut faire un coffre de fer, ça servira à rien. On peut faire deux fois deux tapis roulants d'ailleurs. On pourrait faire deux bras mécaniques, mais bon, tout ça ne servirait pas à grand chose. Et surtout, un truc pratique, c'est qu'il suffit de cliquer dans l'inventaire sur ça, et ça va se mettre ici. Et ça va se faire tout seul. Vous n'avez pas besoin de vous mettre quelque part, ni rien du tout. Ça va se faire tout seul dans la liste d'attente. Et surtout, si vous avez un objet, par exemple ici, un tapis roulant qui nécessite une plaque de fer, un engrenage en fer, l'engrenage en fer en lui-même nécessite. Il est où l'engrenage? Il est là. Nécessite déjà des plaques de fer. Mais en fait, il suffirait de cliquer sur le tapis roulant pour que le jeu fasse automatiquement les deux engrenages l'engrenage en fer disponible, enfin nécessaire, et aussi l'utilise pour la plaque de fer. Donc, du coup, ça vous fait tout automatiquement. Quand vous voulez un objet, il suffit de cliquer. Et ça vous fait tous les objets disponibles avant, ben, en prérequis, pour faire cet objet. Ça se fait automatiquement, du coup c'est très pratique. Alors, donc du coup, de base, vous n'avez pas d'électricité ni rien, vous avez combustion, vous êtes à l'âge industriel. On va se faire une pioche, qui est en fait une hache. C'est très logique, dans ce jeu, vous pouvez vous miner avec une hache. Et nous allons récolter un petit peu de charbon. Charbon qui va être notre combustible premier. Qui d'ailleurs, même quand on aura l'électricité, sera notre combustible premier. Parce qu'on n'a pas de nucléaire, tout ça. Le solaire, ça arrivera un petit peu plus tard. C'est d'ailleurs possible que le nucléaire arrive un petit peu après dans les versions. Donc on prend un petit peu de charbon. C'est toujours un peu long au début, mais il en faut un petit peu. Une certaine quantité. Voilà, donc là nous avons. Récolter un peu de charbon, nous en avons 10, 4 plaques de fer, ça doit aller. Dans notre inventaire, nous avons une foreuse à combustion. Ah, c'est ça. Donc, ça, si on peut le tourner avec R, hein, pour rotate. Ensuite, vous pouvez le poser, du clic droit. Donc, vous voyez, il y a un cycle comme quoi il n'y a pas de carburant. Le carburant, ça serait le charbon. On met un truc de charbon, vous voyez, ça commence à utiliser. Et là, quand cette barre est pleine, hop, ça pose au sol un petit bout de charbon que vous pouvez récupérer en faisant F dessus. Moi, j'ai configuré sur F. Hein. Sauf que c'est pas très utile, parce que du coup ça voudrait dire qu'il faudrait que j'attende à chaque fois que le charbon arrive. Pas génial quand même. Bon là, vous voyez, ça continue. Ah oui, une autre chose, la foreuse à combustion prend 4 cases de côté, donc du coup en fait récolte sur ces 4 cases là. Donc vous avez par exemple ici, tout en bas à droite de la tooltip, du coup j'arrive pas à cliquer dessus, vous voyez qu'il y a écrit 8,9K, donc 8900 ressources. Qui sont dessous, il pourrait miner 8,900 ressources, ce qui est énorme, mais en fait ce que vous allez voir n'est pas si énorme que ça. Donc, vous voyez, c'est pas très utile, hein. on peut pas revenir chercher, c'est un peu casse-pied. Du coup, ce qu'on va faire, on va prendre du bois. Hop là, on prend du bois, ça va assez vite. J'ai 8 de bois brut, ça devrait aller. On va faire un coffre en bois qui nécessite casse-plomb. Vous voyez, hop, j'ai fait le coffre et on le pose ici. On prend du charbon, on en met un petit peu, j'en ai mis 3 le temps que la barre se descende, et vous voyez, ça se met dans le coffre automatiquement. Du coup, pas besoin de faire des. Vous avez juste besoin de faire des allers-retours pour aller prendre votre charbon là-dedans quand vous en avez besoin. Déjà un peu plus pratique. Sauf que c'est pas non plus le. C'est pas encore très automatisé là. Vous allez voir.
On va prendre un petit peu de bois parce que c'est toujours très utile le bois. Vous en aurez besoin d'assez grosses quantités en fait au final. Enfin pas énorme par rapport aux autres ressources où vous en aurez besoin des dizaines de milliers d'unités. Mais le bois, c'est bien de commencer avec une cinquantaine. À peu près. Allez hop. On va prendre. Ouais, je pense qu'une quarantaine, ça devrait largement aller. Voilà. Un petit peu plus. Ah, bah zut. Et le dernier. Nickel, 50. Ça devrait aller suffisamment. Voilà. Donc là, on va attendre que notre foreuse à combustion finisse de tout combustionner. Hein. Vous voyez, déjà 12, ça fait déjà 29 de charbon, c'est assez énorme. Pour ce qu'on a au tout début. Et vous voyez, c'est automatique. Là, du coup, j'ai juste à attendre. C'est plutôt pratique. On va attendre que le charbon s'unisse. Vous savez quoi, on va carrément l'enlever. Donc là, la barre va finir toute seule. C'est un peu comme le Minecraft, hein, vous voyez. Alors. Ah, bon, bah, c'est fini, d'accord, avant. Hop, on va récupérer un dernier charbon. Voilà, donc là, c'est la base. Sauf que c'est pas non plus très pratique. Voilà, j'ai tout récupéré. C'est pas non plus très pratique. On peut faire la même chose sur toutes les ressources disponibles comme ça. C'est-à-dire la pierre, le charbon et le fer. Pas sur le... Enfin, si, le cuivre aussi, mais pas sur l'huile. Enfin, le oil. Le pétrole, je vais y arriver. Donc, on va faire la même chose sur le fer. Sauf que le fer tout seul, en lui-même, là, il va juste nous récupérer des minerais de fer. On va reposer ça. Hein. Ce qui est pas forcément très 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 utile. Vous viendrez avec moi. Des minerais de fer tout seul, la plupart des objets nécessitent des plaques de fer. Et comment on fait des plaques de fer? En les faisant chauffer. Donc du coup, on pose notre four que nous avons dans l'inventaire, nous plaçons le minerai de fer. C'était pas là. Du coup, je l'ai foutu au sol. Où est-ce qu'il est? Je l'ai mis dedans? Ah, mais si, il l'a fait. Ok, vous voyez, hop, j'ai fait une plaque de fer. D'ailleurs, on va prendre ceux qui sont dans le coffre. Hop, plein de plaques de fer. Enfin, de minerai de fer. On les met là-dedans. Et ça nous fait... nos plaques de fer, sauf que c'est pas très automatique, parce que s'il faut que je fasse des allers-retours tout le temps, hein, ça va être un peu long. Un peu. Ça va être un peu long et chiant. Du coup, on va chercher à automatiser un peu tout ça. Alors, histoire d'être un peu... d'être un peu plus autonome. Du coup, ce qu'on va faire, on va prendre le minerai, on va avoir besoin de bras mécaniques. De... un, plus précisément. Un bras mécanique. On peut en faire. On va poser le bras mécanique à la place du coffre. Ici. Bras mécanique. Non, pas ici. Pas à la place du coffre, je suis bête. Une case avant. Enfin, après. Parce que vous voyez, la zone, la barre jaune en haut, c'est la case où il va récupérer l'item. La flèche, elle, indique le sens où il va poser l'item. Il va prendre un item ici, et il va le poser ici. En sachant qu'il suffirait de mettre quelque chose comme un four. Et hop, on prend le four, on met du charbon dedans. On prend le bras, donc là c'est un bras mécanique qui nécessite aussi du fuel. Et hop, vous voyez, il prend le charbon, enfin le minerai de fer, il le pose là-dedans. Et ça se fait automatiquement. C'est pas beau ça? Du coup là tout ce que j'aurais à faire c'est mettre du charbon dedans. Bon, c'est pas encore très automatisé parce que du coup ça voudrait dire qu'il faudrait que j'aille chercher du charbon, que je mette dedans... C'est pas l'automatisme le plus extraordinaire que j'ai pu faire pour l'instant. Mais c'est mieux que rien. Surtout que là, du coup, on peut faire un joli petit stock de plaques de fer qui va nous être très utile par la suite. D'ailleurs, je vous conseille d'en faire un petit paquet au tout début, comme ça. Vous en faites un petit paquet à l'aide des ressources normales, entre guillemets, et de la technique normale avec la combustion. Et en attendant, on peut ramasser de la pierre parce qu'il va nous en falloir un petit paquet pour faire quelques fours supplémentaires. Ce que vous allez voir, parce que ce principe-là du minerai de fer s'applique aussi au cuivre. Même principe. Hein. Vous avez besoin d'avoir de barres de cuivre. Et pour faire des barres de cuivre, ben, vous appliquez le même principe. C'est-à-dire une foreuse à combustion, un bras robotisé à combustion, un bras mécanique, pardon, et un four. Voilà. Donc ça, c'est la base de la construction. Tout ce qui fonctionne à la combustion. Sauf que c'est toujours pas très automatique, je le rappelle. Hein, faire des allers-retours pour aller charger en charbon, c'est pas ce qu'il y a de mieux, on va dire. Donc on va passer rapidement à quelque chose d'autre. Hein, ça va être assez rapide. Ce quelque chose d'autre, ça va être l'énergie électrique. Mais pour ça, il nous faut pas mal de minerais de cuivre. Donc nous allons faire la même chose que ça une fois que ça aura fini. Donc là, on a déjà 17. Il faudrait en fait une cinquantaine de plaques de fer. Je pense qu'une cinquantaine serait plutôt pas mal. On va recharger un peu en charbon.
En attendant, hop. Voilà, on charge un peu en charbon. Une cinquantaine serait peut-être assez intéressant, parce que du coup je referais la même chose avec celle-là, avec ce dispositif-là, sur du minerai de cuivre, hein. Facile. Et comme ça on pourra entamer. Attendez, je regarde le temps, j'essaie de faire des épisodes de 20 minutes, histoire d'être un peu plus. Enfin, histoire d'adapter les notions au temps d'épisode. Et de pas être non plus trop lourdingue. Voilà, ça en fait encore quelques-unes, c'est pratique. Ah oui. Et puis tu... Ah non, c'est vrai qu'il peut pas y avoir 36 000 items sur chaque case. Du coup, on attend un peu. Voilà, ça y est, donc on a une cinquantaine. On va tout enlever. Ouais, on va attendre un peu quand même. On va commencer par enlever ça. Hop, on enlève le bras robotisé. Oh, on va attendre un peu, histoire qu'il finisse ses plaques. Aïe. Alors, on peut enlever le four. On va faire la même chose là-haut. Donc je rappelle, comme ça je refais avec vous. Donc on peut le mettre dans n'importe quel sens, hein, à la foreuse à combustion. Hop, on la pose. On prend le bras robotisé qu'on décale à une case. On met le four juste à côté. On met du charbon un peu partout. Hop. Hop. Et hop. Et vous voyez? Même principe. Toc. C'est le four en pierre qui reçoit le minerai cuivre et qui fait des barres de cuivre. Donc on va récolter un peu de charbon à la main. J'en ai plus des masses. Et j'ai pas envie de refaire la même chose avec le charbon. Vous allez voir, on va faire quelque chose de bien sympatoche. Ouais. Ah voilà. Donc là j'ai pété ma pioche. On va refaire une autre. Enfin ma hache. Voilà. Voilà, j'ai refait une hache. Vous voyez, ça allait bien moins vite. Mais là, ça va beaucoup mieux. Alors, t'en as combien? 9. 9, c'est pas mal. Il reste combien de temps? Ah bon, bah, c'est bon, je pense qu'on va pas arrêter. On peut arrêter là. La prochaine fois, nous allons voir la même princi enfin, ce principe-là, mais couplé à l'électricité. Vous allez voir, c'est plutôt puissant, et de toute façon, à partir du moment où vous aurez l'électricité, vous ne toucherez plus qu'à ça. Mais comme au début, vous êtes forcé d'utiliser la combustion pour avoir un minimum, enfin un minimum de ressources, vous devez commencer par là. Mais après, vous verrez, avec l'électricité, va vous faciliter grandement la vie. Ça va être un truc de fou. Bon, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et puis voilà. Et ben à la prochaine, salut à tous!